La question de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord ravive les tensions à propos du Brexit. Londres envisage de rester dans l'union douanière au-delà de la période de transition après la sortie du Royaume-Uni afin de contourner l'impasse politique. Pour le négociateur en chef de l'Union, la dérogation proposée pour l'Irlande du Nord, appelée backstop, n'est valable que pour ce territoire britannique. Notre backstop ne peut pas s'étendre à l'ensemble du Royaume-Uni. Pourquoi ? Parce qu'il a été conçu pour la situation spécifique de l'Irlande du Nord. Ce qui est faisable pour ce territoire, à savoir l'Irlande du Nord, n'est pas nécessairement faisable pour l'ensemble du Royaume-Uni. L'Union répond aux propos peu diplomatiques du ministre britannique des Affaires étrangères. Selon le site BuzzFeed, Boris Johnson aurait dit « Imaginez Donald Trump faire le Brexit, il s'y impliquerait de manière extrêmement dure ». Pour Michel Barnier, il n'est pas question de se laisser impressionner. Nous respectons les lignes rouges britanniques. J'aimerais bien que les Britanniques respectent leurs propres lignes rouges aussi. Londres ne veut pas entendre parler de contrôle douanier entre l'Irlande du Nord et le Royaume-Uni, mais les conséquences d'une sortie non négociée seraient catastrophiques pour les Britanniques, selon le chercheur Jolt Dorvach. Dans ce cas-là, je m'attends à un choc très difficile pour l'économie britannique. Il y aurait une interruption soudaine sur différentes chaînes de valeur, et si toutes ces chaînes de valeur européennes devaient s'interrompre subitement, il y aurait un impact très négatif pour le Royaume-Uni, et j'imagine une crise profonde.